20 دينار شكرا هذول مفلسين de prière nabatéen où tous les ustensiles du temple sont réunis, tout ce qui était nécessaire à l'accomplissement du rite. Donc vous aviez d'abord une espèce de grande pièce de réunion où se tenaient les fidèles et sans doute le grand prêtre qui était là. Vous avez ici ce qu'on appelle le motab, c'est-à-dire le socle pour poser la divinité. J'ai ici l'engravure pour mettre le bétil, donc la représentation de la divinité qui était portée en procession et apportée ici au moment des grandes fêtes. Vous avez ici un endroit où on sacrifiait les animaux avec une récupération du sang coulé par tous ces petits bassins successifs. Il y en a également ici. Donc au moment de la cérémonie, le sang de l'animal était récupéré dans un récipient et était aspergé sur le bétil. Et en même temps, il y avait la cérémonie du tawaf qui se faisait tout autour du bétil. Vous voyez donc il y a un couloir qui fait le tour de la ville. Et les fidèles sont faits tout autour. C'est exactement ce qui se passe actuellement à la messe au moment du pèlerinage. Vous avez le tawaf autour de la Kaaba qui contient encore le bétil d'Allah. Alors ces trois bétils des trois déesses, Manat, El Rosa et... Attention, le troisième. Ah. Allat ont été mis au rebut et font également l'objet d'une cérémonie de désécration la veille du pèlerinage. Tous les pèlerins vont sur le mont Arafat jeter des pierres, ils ont fait pareil. Le temple de Kassadref, Sinaï, c'est pareil. Le temple du Kasr el Bint est un petit peu différent parce qu'il est beaucoup plus classique, mais il y avait quand même un tawaf autour du temple lui-même. Le tawaf, où très souvent dans les temples égyptiens d'époque ptolémaïque, il y a l'image du dieu à l'arrière du temple, puisque les fidèles ne pouvaient pas rentrer dans le temple, donc ils allaient derrière, et on appelle très souvent ça. Le temple du dieu qui écoute les prières. Donc, c'était sur un haut lieu comme ça. Donc on peut imaginer. Je pense pas que les hébreux soient enthousiastes. Ah oui, mais il faut peut-être leur faire comprendre la vérité. Parce que quand on tue un animal, c'était pour le sacrifier pour le dieu, mais l'animal était mangé. Je les idolâtres. Brûlé, non? Pardon? Dans les holocaustes, brûlé, oui. Ah, on sait à quelle époque c'était. Mais on dit dans la Bible, c'est monté sur un haut lieu ou pas? Un commento. Il est monté. Oui, les deux paroles ossessives. Il faut voir. Non, allora, quello è di tutti i viaggi. Questi viaggi sono Bétil e Na. Donc, on voit très bien d'ici le père jésuite. Et Alexandre. On voit très bien, surtout ici, parfaitement bien, le Oum El Biara, qui est ce grand rocher un peu arrondi, qui a essayé d'être conquis par un général d'Antigone le Bon, donc un descendant direct d'Alexandre le Grand, qui a essayé trois fois de prendre cette roche, qui n'y a jamais arrivé, parce que les Nabatéens se réfugiaient au-dessus avec toute leur richesse. Et quand ils allaient dans leur grande foire, commercial, il laissait les vieillards et les enfants et les femmes là-haut et eux partaient. Donc ils savaient Oscar, que leur richesse était protégée. Sangre caliente. Pardon? Non, je suis très dépendre. Donc c'est très difficile d'accès. Il y a eu des fouilles qui ont été faites par une archéologue anglaise, Crystal Bennett, qui a également fouillé la capitale des Édomites, Bousseira, à peu près à 80 km au nord. Et elle a trouvé des grands réservoirs et des abris sous roche et des restes de construction. De l'époque, je crois, du 6e ou 5e siècle avant. Alors, en contrebas de Oum El Biara, vous avez également des... Voilà, Andrea. Dans le rocher qui sans fuite. Ils avaient trois explications. Une là, une au sommet de El Khoubsa, qui est juste derrière, où il y a également un haut lieu. Et une autre derrière qu'on a vue en venant, elle Sainte Marie, qui est sur la route de la directrice spirituelle. Priez pour nous. François, c'est un château croisé là.
notre Brésil. Le temple de José. Et par là, il y a également une extension qui occupe une surface de 25 km. Autrefois, ils habitaient tous dans les grottes qu'on vient de voir. Donc, ça a été un projet qui a été très bien conçu avec des études sociologiques. Avec des colonnes, c'est très intéressant, ça m'aide. Est-ce que vous avez des emplacements pour être en face avec en fait, il nous reste des stucs. Vous avez des stucs qui n'étaient pas. Magda. Spero che la mia bottiglia sia. Ma che hai rubato un asino? La cavalcata. Sei l'ultimo? No, sono sempre. Ci sono alcuni dietro, no? Alleluia. Siamo gli ultimi? Non penso. Siete gli ultimi? No, c'è.